Merci beaucoup pour votre accueil. Bonjour à tous. Monsieur le député du Parlement de Bruxelles, cher Christophe, cher Raoul, merci de votre invitation pour m'exprimer à cette Bruxelles Blockchain Conférence. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une monnaie imparfaite, une monnaie qui a beaucoup de défauts. Et je serais assez curieux de voir si vous allez deviner de quelle monnaie je voudrais parler. Donc, je vais vous donner quelques indices et vous allez me dire ce que ça vous inspire. Il s'agit d'une monnaie qui ne repose sur rien, qui est virtuelle, qui n'a pas de valeur intrinsèque, qui est opaque, incompréhensible, qui est manipulée par des gros acteurs, qui varie au gré de déclarations intempestives de célébrités fantaisistes, qui est antidémocratique, qui favorise la corruption, qui favorise le blanchiment, le terrorisme, le crime, qui est énergivore, qui est polluante, qui favorise la spéculation, qui est une mauvaise réserve de valeur, qui est inégalitaire et antisociale, qui est aussi une mauvaise unité de compte, qui est dangereuse pour la stabilité économique, dont la technologie est grossièrement limitée et dont la valeur devra un jour ou l'autre rejoindre zéro. Alors, de quelle monnaie s'agit-il? Quels sont vos pronostics? Je veux parler du dollar, évidemment. Je veux parler de l'euro. Et je veux parler de la monnaie fiat. La monnaie fiat, du latin, qu'il en soit ainsi. C'est la monnaie étatique, la monnaie qui est décrétée par l'État et qui existe dans sa version la plus pure, la plus parfaite, la plus avancée, la plus extrême, la plus sublime, depuis la fin des accords de Bretton Woods au début des années 70. Alors, je vais, si vous voulez bien, revenir sur ces nombreux défauts de la monnaie fiat pour voir ce que c'est vraiment que cette monnaie fiat, la monnaie officielle que nous utilisons tous les jours. Alors d'abord, c'est une monnaie qui ne repose sur rien, puisque c'est une monnaie qui est créée ex nihilo par les banques commerciales à l'occasion du crédit. C'est le crédit bancaire qui crée la monnaie. Quand vous allez souscrire un emprunt à la banque pour acheter votre appartement, la monnaie est créée à partir de rien, ex nihilo. Elle ne repose sur rien. Elle est créée sans coût, sans effort, par un clic, à discrétion. Elle ne repose sur rien. C'est une monnaie... Alors évidemment, c'est créé par les banques centrales, mais dans des conditions étroitement prévues, encadrées par les banques centrales et par la puissance publique à laquelle appartiennent les banques centrales. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la banque centrale imprime des billets, fait une politique monétaire expansionniste, etc. C'est parce qu'elle oriente la manière dont les banques centrales offre du crédit et donc crée de la monnaie. La monnaie fiat n'a pas de valeur intrinsèque. Mais rien n'a de valeur intrinsèque. Rien n'a de valeur intrinsèque. L'expression « valeur intrinsèque » en économie est dénuée de sens. Rien n'a de valeur intrinsèque. Et ça, on le sait depuis des siècles, certains économistes le disent, mais ça a surtout été prouvé par Karl Menger, qui est un des grands économistes de la fin du 19e siècle. Rien n'a de valeur intrinsèque. Alors, parfois, on confond cette notion de valeur intrinsèque avec usage non monétaire. On voit quel est l'usage non monétaire de l'or. Quel est l'usage non monétaire du dollar ou de l'euro? Ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'usage non monétaire de la monnaie fiat. Sauf au Venezuela, où on fait des paniers et de l'artisanat avec les billets qui n'ont plus aucune valeur. Donc là, il y a un usage non monétaire de la monnaie fiat. La monnaie fiat est opaque et incompréhensible. Est-ce que vous connaissez la différence entre M1, M2, M3, les agrégats monétaires? Qu'est-ce qui, là-dedans, est de la vraie monnaie? Qui est capable d'expliquer comment fonctionnent les taux directeurs? Comment l'action des banques centrales sur les marchés financiers influe le rythme de la création monétaire? Comment les réglementations applicables aux banques déterminent le rythme de la création monétaire? Personne. Faites l'exercice. Même un banquier aura du mal à vous expliquer comment la monnaie fiat est créée. C'est quand même assez troublant. La monnaie fiat est manipulée par de gros acteurs qui sont accrédités et qui ont même une incitation économique à devenir de plus en plus gros. Parce que comme ça, s'ils se comportent mal, ils seront sauvés par la puissance publique. Ils auront atteint la taille qu'on appelle « too big to fail », ce qui crée ce fameux aléa moral
qui fait que des acteurs irresponsables se voient protégés par l'argent du contribuable et l'argent de la puissance publique créée par la politique monétaire. Et puis, les monnaies fiat, évidemment, sont dépendantes de déclarations intempestives de célébrités plus ou moins fantaisistes, dont chaque mot est disséqué, décortiqué, analysé, prévu pendant des semaines, et ensuite chaque mot, chaque virgule de travers de ces célébrités peut déclencher des crises sur les marchés, peut déclencher des crises sur les marchés financiers. C'est incroyable qu'un mot, une petite parole d'une de ces personnes ait autant d'impact sur la monnaie et sur les marchés financiers. Comment est-ce qu'on peut accepter ça ? C'est vraiment troublant. La monnaie fiat n'est pas démocratique. Est-ce que vous avez déjà voté pour un programme de politique monétaire ? Est-ce que ça a déjà été évoqué dans une campagne électorale, la politique monétaire ? Jamais. Or, dans une démocratie représentative, ça devrait être le cas. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie représentative, le financement de la puissance publique se fait par l'impôt qui est voté par le Parlement. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, pour éviter que le pouvoir politique ne siphonne toute la richesse de la société, il faut bien un frein, un contrôle du peuple. Et deuxième raison, pour éviter que la puissance publique n'ait une source de financement illimitée qui lui permettrait d'accroître son pouvoir sur la société et sur les individus de manière illimitée, jusqu'à devenir un pouvoir totalitaire. Or, aujourd'hui, les États, grâce à la politique monétaire hyper-expansionniste des banques centrales, ont trouvé un moyen de contourner ce principe démocratique fondamental qui est que la ressource de la puissance publique doit être votée et accordée par le peuple. Là, le peuple ne vote pas sur la politique monétaire. C'est donc un problème démocratique, politique, philosophique, fondamental. Par ailleurs, la monnaie fiat favorise la corruption. De temps en temps, il y a des banquiers centraux qui se font pincer la main dans le sac. Ils ont un petit peu joué en bourse alors qu'ils n'y étaient pas autorisés. Ils ont acheté des actifs dont la valeur dépend de leurs propres décisions en tant que banquiers centraux, puisque la politique monétaire crée des bulles sur les marchés d'actifs. La monnaie fiat favorise le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dont une majorité écrasante aujourd'hui est financée en dollars et en euros. Et puis, la monnaie fiat favorise le crime. Et qu'est-ce qu'il y a de plus criminel que la guerre ? La guerre, c'est le crime industrialisé. Et est-ce que c'est un hasard si l'étalon or classique a sauté au début de la Première Guerre mondiale ? L'étalon or fournissait un mécanisme qui limitait le financement, enfin l'émission de monnaie des États. Or, pour se lancer dans une guerre industrielle, les États avaient des besoins financiers illimités. Et donc, ils ont fait sauter ce verrou qui les empêchait de financer des dépenses militaires immenses. Et ça aboutit à la plus grande boucherie de l'histoire de l'humanité, la Première Guerre mondiale. Grâce à un changement de régime monétaire. Grâce à un changement de régime monétaire. Et tout le XXe siècle a été le siècle des guerres mondiales, des guerres les plus épouvantables. Et là aussi, quel est le lien entre cette facilité monétaire que les États se sont accordés, sans demander à personne, et cette explosion de la violence étatique au cours du siècle ? C'est une question, à mon avis, qui mérite d'être posée. La monnaie fiat, elle dépense beaucoup d'énergie. Enfin, elle consomme beaucoup d'énergie. Combien de milliers d'immeubles de banques, d'agences bancaires, de distributeurs de billets qui servent à ça, à faire fonctionner ce système monétaire. Et ça, est-ce que c'est comptabilisé dans les débats sur la consommation énergétique de tel ou tel cryptoactif ? Évidemment non. La monnaie fiat pollue. Pourquoi ? Parce que l'expansion monétaire déprécie la valeur de la monnaie, et donc, en termes de théorie économique, augmente la préférence pour le présent. Elle augmente la préférence temporelle. Elle incite à dépenser son argent, à consommer plutôt qu'à épargner. Et finalement, ce régime monétaire, le régime fiat, favorise ce qu'on appelle la société de consommation. La consommation à outrance, l'obsolescence programmée, le fait que tout de suite, la semaine suivante, on rachète quelque chose pour remplacer le truc qu'on a acheté avant. Et ça, ce n'est pas le capitalisme. C'est la société de consommation créée par la politique monétaire. La monnaie fiat pollue aussi parce qu'elle aboutit à une surexploitation des ressources naturelles. Les ressources naturelles sont une forme de capital. En situation d'expansion monétaire, la valeur du capital devient fondante et imprévisible. C'est-à-dire que quand on possède du capital, que ce soit du capital financier, immobilier
ou naturel, on a intérêt à puiser dans ce capital si on n'est pas sûr de sa valeur plus tard. Et le capital, justement, environnemental, on n'est pas sûr de la valeur financière qu'il aura plus tard à cause de cette imprévisibilité des politiques monétaires. Donc, on a intérêt à le surexploiter à court terme. Donc, le régime fiat aboutit à la surexploitation des ressources naturelles. Et puis, évidemment, qu'est-ce qu'il y a de plus polluant que la guerre ? La guerre ruine l'environnement. Et si la monnaie fiat favorise la guerre, la monnaie fiat est donc immensément polluante. La monnaie fiat, elle favorise aussi la spéculation. Le marché d'échange, le Forex, a explosé depuis le début des années 70. Il est, je crois, aujourd'hui d'environ 5 000 milliards de dollars par jour, c'est-à-dire 5 fois la market cap du Bitcoin, échangé par jour. C'est donc, en fait, un immense casino géant qui est rentable, qui est intéressant pour les acteurs financiers parce qu'il y a des différences de variation de cours entre les monnaies, liées notamment aux différences de politique monétaire des banques centrales. Et évidemment, cette situation n'existerait pas s'il y avait une monnaie mondiale, de préférence issue de la création spontanée du marché. Donc là, on voit que le régime fiat entraîne une économie de casino hyper spéculative au niveau mondial sur les marchés d'échange. Et puis, la monnaie fiat est spéculative aussi parce qu'elle incite à la dette, évidemment. Quand les politiques monétaires très expansionnistes aboutissent à des baisses de taux d'intérêt, tout le monde a intérêt à s'endetter pour tout et n'importe quoi, tout le temps, tout le temps. Et finalement, chacun, chaque acteur, chaque individu a intérêt à faire des calculs, à se projeter, à imaginer combien va valoir le truc qu'il a acheté en s'endettant, etc. Il a intérêt à spéculer. La monnaie fiat et l'économie de dette qui est créée par la monnaie fiat incitent tout le monde, tous les acteurs économiques à spéculer. Et cette monnaie fiat incite aussi les gens à chercher du rendement, du risque. Parce que quand il y a de l'inflation, d'abord de l'inflation monétaire, ensuite de l'inflation des prix, pour conserver la valeur des actifs, il faut chercher du rendement. Et le rendement, c'est le risque. Et donc, le régime fiat incite à trouver des activités plus risquées, des investissements plus risqués, et à mettre la pression sur les entreprises, à rechercher une rentabilité financière de court terme. Et on dit toujours, c'est le méchant capitalisme qui aboutit à ça. C'est exactement l'inverse. C'est le régime monétaire et l'action des politiques monétaires. La monnaie fiat, évidemment, est une très mauvaise réserve de valeur. Sur le long terme, toutes les monnaies fiat perdent de la valeur. Par rapport à quoi ? Par rapport à des biens réels. Des biens réels, des biens qu'on peut acheter concrètement. Sur le long terme, il est totalement absurde de garder de la monnaie fiat sur son compte bancaire. Ça n'a aucun sens. La monnaie fiat est une très mauvaise réserve de valeur et elle aboutit à ruiner les épargnants et les gens qui ont des revenus fixes, qui ne peuvent pas s'adapter à l'augmentation des prix. Et finalement, c'est une manière de spolier le travail des gens. Les gens travaillent, sont rémunérés dans une monnaie, et cette monnaie, elle voit sa valeur diminuer à cause de la décision de quelques bureaucrates. Et donc, finalement, le fruit de leur travail se fait rogner progressivement, sans forcément qu'ils s'en rendent compte, par des décisions politico-bureaucratiques. Et évidemment, c'est prôné par certains économistes, ce qui est quand même assez incroyable. C'était prôné par Keynes. Lui, il prônait l'euthanasie du rentier et il prônait l'utilisation de la politique monétaire à des fins de relance économique. Et tant pis si ça ruine les épargnants, c'est aucun problème. Mais il faut être conscient de ce que ça veut dire, de ce que ça reflète. La monnaie fiat, elle est aussi antisociale et inégalitaire parce qu'elle favorise les gens qui ont accès au crédit et les détenteurs d'actifs. Le bobo qui passe son temps à dénoncer les excès du capitalisme, il va s'endetter pour acheter un appartement. L'appartement va prendre 50% en quelques années. Est-ce que le bobo aura mérité cette augmentation ? Il n'aura rien fait pour ça. Cette augmentation, elle sera due uniquement à la décision de quelques banquiers centraux d'accroître l'expansion monétaire. Et donc, en termes de théorie économique, la politique monétaire expansionniste engendre des redistributions de pouvoir d'achat relatif en faveur des détenteurs d'actifs et des gens qui peuvent s'endetter. Ce sont les marchés financiers, les riches. Et donc, le régime fiat augmente les inégalités sociales, les écarts de patrimoine. Et là aussi, on dit toujours, ouais, mais c'est le vilain capitalisme. Mais non, ça n'a rien à voir avec le capitalisme. C'est des décisions politico-bureaucratiques. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme.
La monnaie fiat est aussi un très mauvais étalon de mesure. Vous savez que c'est une des trois fonctions de la monnaie, étalon de compte, unité de compte. Et l'économie de marché repose sur un socle fondamental qui est le système des prix. Le système des prix, c'est un système d'information d'une immense complexité, d'une immense fragilité et qui est absolument fondamental pour le fonctionnement de l'économie. Pourquoi ? Parce que, en fait, les prix permettent de mesurer l'évolution ils permettent une allocation des ressources la moins sous-optimale possible en mesurant l'évolution de la rareté relative des biens, des services. Et il permet aux acteurs économiques de faire des calculs économiques, de mesurer, de comparer leurs revenus avec leurs coûts et de se projeter dans le long terme. Et c'est ça l'avantage de l'économie de marché par rapport à une économie planifiée. Une économie planifiée, on ne peut pas utiliser des prix pour faire du calcul économique, aboutit à une allocation des ressources sous-optimale, à des pénuries ou des surproductions. Ça, on l'a vu pendant tout le XXe siècle, et ça avait été théorisé par Ludwig von Mises dès les années 1920. Et alors, pour en revenir à la politique monétaire, imaginez qu'un mètre, qui est un étalon de mesure de la longueur, et qui permet aux architectes de dessiner des plans et aux entreprises de construire des infrastructures, des immeubles, imaginez que la longueur d'un mètre varie au cours du temps au gré de décisions arbitraires et imprévisibles de quelques bureaucrates. Imaginez ça. Est-ce que le travail des architectes et des constructeurs d'infrastructures serait rendu impossible ? Non, mais il serait rendu 1000 fois plus difficile. Parce que l'unité de mesure qu'ils utilisent, en fait, devient complètement imprévisible. Et c'est exactement ça qui se passe avec la monnaie. La monnaie, aujourd'hui, elle est tripatouillée de manière imprévisible par les banques centrales. Et finalement, elle fausse toute l'économie de marché, tout le jeu, tout ce calcul très subtil et décentralisé que font des milliards d'acteurs économiques à chaque instant, il est faussé, il est rendu plus difficile, moins connecté à la réalité. Et ce problème-là, il est vraiment fondamental, il est très diffus, il n'est pas facile à mesurer, pas facile à observer, mais il est là, il est là. Et c'est vraiment très important de l'identifier. Ça veut dire que la monnaie fiat est un très mauvais étalon de mesure, très mauvaise unité de compte, si elle est très tripatouillée dans tous les sens, comme c'est le cas en ce moment. Et puis, la monnaie fiat est dangereuse pour l'équilibre économique. Le XXe siècle a été le siècle des crises économiques et des crises financières. Il n'y a jamais eu autant de crises monétaires dans l'histoire de l'humanité qu'au XXe siècle, avec évidemment des conséquences sociales désastreuses, du chômage de masse, etc. Et comme par hasard, c'est le siècle des banques centrales. Les banques centrales sont des institutions très nouvelles. La plupart des banques centrales ont été créées vraiment fin 19e, début 20e. Certaines ont été créées bien plus tôt, mais dans le monde, c'est une institution extrêmement récente. Alors, corrélation n'est pas causalité, mais justement, l'analyse théorique de ce lien entre ces deux aspects a été faite, notamment par l'école autrichienne. Et Hayek a eu le prix Nobel d'économie en 1974 parce qu'il a démontré, et en fait Mises avant lui, que l'expansionnisme monétaire crée des cycles économiques. Il crée des booms artificiels, des crises de confiance et ensuite des récessions qui sont extrêmement douloureuses socialement. Et donc, ça fait partie des défauts du régime fiat. Le régime fiat crée du désordre économique. Il est dangereux pour l'équilibre économique. Et puis, pour couronner le tout, la monnaie fiat est grossièrement limitée d'un point de vue technologique. Essayez de faire des micro-paiements en monnaie fiat. Essayez de faire des transactions programmables en monnaie fiat. Certains transferts de valeur sont incroyablement archaïques. Toute personne qui fait un virement bancaire international se rend compte que c'est absolument sidérant à l'heure d'Internet et de l'instantanéité, les processus qu'il faut suivre et qui sont d'un archaïsme sidérant. Et finalement, les monnaies fiat vont revenir à leur valeur naturelle qui est zéro. Et d'ailleurs, la plupart des monnaies fiat qui ont existé ont disparu. Il y a plein de monnaies fiat qui ont disparu dans des souffrances plus ou moins atroces et plus ou moins longues, mais elles ont fini par disparaître. Évidemment, les cas les plus emblématiques, ce sont les cas d'hyperinflation. L'économiste Steve Anke a répertorié une soixantaine de cas d'hyperinflation depuis un siècle. Il faut savoir que l'hyperinflation, c'est un phénomène très récent dans l'histoire de l'humanité. Ça n'existait pas il y a plusieurs siècles.
où c'est extrêmement rare. Et ça s'est multiplié à l'époque contemporaine, comme par hasard, en lien avec le régime fiat et les actions des banques centrales. Il faut bien comprendre ce que c'est que l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est l'effondrement de la civilisation en quelques semaines, en quelques jours. Ça veut dire qu'en situation d'hyperinflation, toutes les conventions sociales, les normes morales, les pratiques, les liens d'amitié s'effondrent en quelques jours. Il est rationnel en situation d'hyperinflation de vendre la montre qu'on a reçue de son grand-père pour pouvoir boire, pouvoir donner de l'eau à ses enfants. Il est rationnel d'aller piller son voisin, d'aller le menacer, d'aller l'agresser, alors qu'on avait établi des liens d'amitié avec lui depuis des années. Il est rationnel de faire ça pour survivre, pour s'alimenter. C'est ça l'hyperinflation. Et c'est ça qui existe en ce moment, au Venezuela, au Zimbabwe. Et ça vient d'où ? Mais ça vient de la monnaie fiat. Ça ne vient pas d'une autre forme de monnaie. Ce sont des régimes fiat qui ont abouti à ces aberrations et à ces occasions d'effondrement de la civilisation. Et évidemment, le cas que nous, Européens, on connaît le mieux, c'est celui des années 20 en Europe, en Allemagne et en Autriche, qui a abouti directement à la Deuxième Guerre mondiale et qui est parfaitement documenté dans ce livre d'Adam Ferguson. Attendez, pardon ? Alors, je termine juste. Alors, en conclusion, finalement, tous ces défauts, ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait beaucoup pour une monnaie qui nous est imposée. La monnaie fiat nous est imposée. Le cours légal, c'est la définition du cours légal, c'est l'obligation d'accepter une monnaie en règlement d'une dette. C'est donc quelque chose qui est imposé par la puissance publique. Donc, ça fait quand même beaucoup d'inconvénients pour quelque chose dont on nous dit que, en fait, circuler, il n'y a rien à voir, c'est ça et c'est rien d'autre. Alors, face à ça, il y a ce qu'on appelle, évidemment, les crypto-monnaies et il y a Bitcoin. Qu'est-ce que c'est Bitcoin ? Bah, c'est l'inverse de tout ça. C'est l'inverse de tout ce que j'ai décrit. Comment est-ce que je sais que c'est l'inverse de tout ça ? Bah, c'est très simple. En fait, depuis 12 ans, la plupart des responsables politiques, la plupart des économistes, la plupart des journalistes, la plupart des banquiers nous disent que Bitcoin n'est pas capable d'être une monnaie. C'est donc il est l'inverse de ce régime fiat dont ils sont les garants, les promoteurs et les profiteurs. Alors, comment est-ce que deux choses aussi différentes, le régime fiat et le régime et le Bitcoin, pourraient coexister ? Comment est-ce que ça pourrait coexister ? Deux choses aussi opposées, par définition aussi différentes. Bien, moi, je pense que ça ne peut coexister que de manière temporaire, que dans une transition. Je ne crois pas que ça puisse coexister sur le long terme. C'est très difficile de savoir comment va se dérouler cette transition. On peut imaginer qu'elle ne va pas être de tout repos, qu'elle ne va pas se faire de manière très sereine. C'est très difficile de savoir quand elle va se terminer, peut-être dans plusieurs générations. Mais moi, la seule chose dont je suis convaincu, c'est que cette transition a commencé. Elle a commencé. Voilà, et je m'arrêterai là. Merci pour votre attention.